Comment était le concert? Franchement, voilà, magnifique. La tête de ma mère, t'as capté? Ça fait un petit moment qu'il est programmé. Les Belges, on dirait qu'ils m'attendaient fort. Mmh. Ça veut dire que j'ai été obligé de leur faire un concert à la hauteur, t'as vu? Mmh. Et le résultat y est. Donc, il a été organisé ici à la Madeleine par Non-Stop. Et ouais. Et moi, j'ai remarqué un truc, j'ai regardé une interview il n'y a pas longtemps. Tu disais, tu employais un mot, ou une expression plutôt, c'est à fou. Tu sais que c'est, fou, c'est purement bruxellois ça. Ça vient d'ici. Comment ça se fait que tu as eu ce. Parce que j'ai il y a beaucoup, j'ai beaucoup de familles ici. Ok. Tu as capté? Mm. Ça veut dire que je suis souvent en Belgique. Je suis très souvent à BX. Et qu'est-ce que tu fais? À XL. Bah, je suis avec mes incous. Comment ça? Depuis tout petit, je viens ici, moi. Ah ouais? Ouais, depuis tout petit, mon pote, je viens ici. Et il y a des trucs que tu aimes faire particulièrement ici? Bah, c'est un quartier comme mon quartier. Mm. Ça veut dire que je fais la même chose que dans mon quartier. Et des fois, vas-y, tu connais, des fois, en plus, ça par rapport avec mes potes de Marseille, parce que j'ai un pote à la Casté, il vient de BX. Et quand je vais le voir, tu vois, c'est que en Afou, il me parle. Et vas-y, sans faire exprès, des fois, je le sors tout seul, Afou. Et on attend que tu le mettes dans un son maintenant. Et ouais, non. Dans la zone, vous êtes tous chauds dans la salle, là, vous êtes bien. C'est mon pote, moi, les gens ils m'ont mis dans une catégorie de rappeur, tu vois. Moi je suis pas un rappeur, moi je fais de la musique. Et peut-être que ça va choquer les gens, mais les types de sons comme Marie, je préfère faire des sons comme Marie que comme La Détail par exemple, tu vois. Mais je suis arrivé dans le rap avec une image de, tu vois, de kicker, de rappeur, de, tu vois, c'est-à-dire que je suis obligé de suivre le truc jusqu'au bout parce que sinon je vais me perdre et ma fanbase, elle va se perdre. Donc je suis obligé d'envoyer des sons comme Four, La Détail, Godro, pour, tu vois, pour leur rappeler qu'on est là. Mais de base, pour moi, je fais de la musique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à faire. J'ai plus d'inspiration dans une prod du type comme Marie, Cellophane ou Amitié Gâchée que dans, je vais pas dire Godro La Détail parce que ça c'est ma base, tu vois ou pas, j'ai commencé dedans, mais ça va être plus facile que par exemple avec des prods comme Audi, tu vois, des sons un peu plus techniques travaillés, mais sinon ouais, j'essaye de faire à peu près tout. À peu près de tout. Est-ce qu'on te reproche ça des fois d'être toi-même? Notamment, tu vois, sur. Je te parle des réseaux sociaux, et en même temps, il y a ce côté où certains te le reprochent et d'autres aiment justement cette authenticité quelque part. Bah, en vrai, quoi qu'il arrive, je peux pas changer pour des. Entre guillemets, des gens. Je suis arrivé dans le rap avec c'est pas une image, c'est moi-même. Je me suis pas inventé un rôle, j'ai pas moi, je mens pas, tu vois. Je mens pas, moi les gens, tu leur demandes, ils vont te dire clairement, je va leur demander clairement, va, est vrai, tu fais ce que tu as à faire, tu vas voir, tu vois. Après, pour moi ça me permet, tu vois, pour moi c'est beaucoup plus facile. La vérité, j'ai pas tous les jours à me dire ce que je dois faire, tout ça. Je sors dehors et j'ai ma vie comme avant, nique sa mère, frère. Je vois pas le buzz. Pour moi, le rap, ça se passe qu'au studio. En dehors du studio, frère, je suis comme toi, je suis comme lui, je suis comme elle, je suis comme tout le monde, mon pote. Juste que, tu vois, les gens m'arrêtent pour prendre des photos, on va dire ça, tu vois. Mais sinon, frère, je fous la merde avec mes potes. Quand il y a un truc, je suis là. C'est la même chose, c'est la même chose, gros. C'est marrant, tu parles de photos. Même dehors, avant de rentrer aujourd'hui au concert, il y avait des gens qui t'ont demandé en photo et tu ne le refuses pas? Non, jamais. Mais il y a une vidéo qui a,
qui a fuité sur, sur internet, on voit où il y a un keuf, je crois, qui te demande une photo. C'est pas pareil, c'est un keuf. C'est pas pareil, c'est un keuf. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Vas-y, vas-y. C'est pas pareil. Et en plus, je vais vous dire ce qui s'est passé, tu vois. Parce que les gens, ils croient, je sais pas quoi. Moi, j'accepte les photos avec tout le monde. La vérité, j'ai accepté de base. Tu vois ou pas ? Mais quand c'est moi qui fais le selfie, c'est moi qui tiens le téléphone, c'est moi qui prends la photo, c'est moi qui... Tu vois ou pas ? Faut s'imposer, sinon les gens, ils vont... Et quand je lui dis, donne ton téléphone, je fais la photo, il m'a dit, non, en mode, non, je fais pas la photo. Et ben, dans ce cas-là, j'ai dit, bah, tu sais quoi, il n'y a pas de photo, je me casse. Je me suis cassé. Clair. Clair, droit, net. Tu vois, moi, j'ai vécu une enfance que pas comme tout le monde l'a vécu, mais il y en a aussi qui ont vécu bien pire que moi, tu vois, parce que je vais te dire. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis, mais il y en a qui sont encore bien plus haut que moi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est, je parle d'une catégorie de gens, tu vois pas. Moi, j'ai pas fini l'école, j'ai pas fait plein de trucs. Je parle de ces gens-là qui ont fini l'école, tout ça. Mais je suis pas le seul qui a pas fini l'école. Mm-hmm. Est-ce que tu me comprends ? Non, ouais, bien sûr. Et ben, moi, je parle de ces gens-là. Mm-hmm. Je parle de ces gens-là. Et ces gens qui ont, tu vois pas, qui ont suivi une ligne droite, qui ont essayé de t'en sortir dans, tu vois pas. Mm-hmm. Moi, je dis pas, je sais pas quoi, mais j'ai fait ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis là. Tu comprends ? Et est-ce que le rap, ça te protège justement de... De quelque part, de ce que tu racontes aussi dans, dans tes textes, tu vois ? Non, rien à voir. Ça te permet aussi quelque part de s'émanciper, de sortir de, dans des trucs qui y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas grandi comme les autres font quelque part. Non. Aujourd'hui. Le rap, ça me permet juste de parler. Mm-hmm. Ça me permet de... Je veux pas influencer les jeunes ou influencer je sais pas qui, mais ça me permet de m'exprimer. Tu vois, il y a des trucs que, par exemple, je pourrais pas dire à certains, mais quand je vais le dire dans mon son, ils vont comprendre que, tu vois, ils vont direct savoir, ils vont comprendre tout de suite, tu vois, pas, je sais pas quoi, mais les gens vont comprendre. Mm-hmm. On se comprend. La vie, c'est un choix, tu vois, la vie, c'est un choix. Il y a des bons artistes, des super bons artistes, en faisant les mauvais choix, bah, au final, ils sont personne, tu vois, c'est comme ça, la vie, c'est un choix. Est-ce que tu penses que le rap a été un bon choix pour toi ? Ou est-ce qu'il s'est imposé par lui-même quelque part ? Dieu merci, le rap, ça m'a fait éviter beaucoup de trucs. Mm-hmm. Beaucoup de trucs. Ça veut dire que je me plains pas. Mm-hmm. Je me plains pas. C'est pas la meilleure des solutions, mais c'est un bon truc, tu vois. On se plaint pas. Mm-hmm. Franchement, aucun rappeur va se plaindre. Donc Dieu merci, on est là et on va essayer de perdurer un petit bout de temps. Et quand c'est fini, c'est fini. Mm-hmm. C'est éphémère tout ça. Le premier album, je l'ai fait un peu à la va-vite. Et je l'ai fait dans une période de ma vie où, vas-y, c'était un peu compliqué. Le deuxième album, c'est un album fait en rapidité, mais fait avec beaucoup de réflexion. Je me suis beaucoup repris sur mes phrases, j'ai beaucoup vu avec mon manager de Speak qui est là aujourd'hui, tu vois. Et c'est le fruit de tout le travail que j'ai fait, frère. C'est une récompense, on va dire. Aujourd'hui, la franchise, ça marche comme ça marche. Et bientôt platine, si Dieu veut, on est là encore. On prépare le troisième album, méchant. Il va arriver bientôt. Si Dieu veut.